Il fait très chaud. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction le Japon, mais avec le band group coréen, les Hefty Insolent. Ils nous reviennent avec un 19e single japonais. Non, vous avez bien entendu, 19e. Après, ça fait des années qu'ils sont aussi dans l'industrie. Et aujourd'hui, ils nous présentent le titre d'Our de ce fameux single. Il faut savoir que le single sortira fin septembre, le 21, si je ne me trompe pas. On va revérifier ça, mais oui, c'est ça. Oui, j'ai une bonne mémoire. Le 21 septembre sortira donc le single. Et le single sera composé de 3 titres. Et c'est parti, donc je vais découvrir ça maintenant. Let's go. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est le tout premier groupe que j'ai vu en concert. Je parle des groupes coréens, donc voilà. Par contre, il n'y a pas accès sous-titres. Ils sont plus que 3 maintenant. C'est triste, hein, mais bon, c'est comme ça. Il y a Onki, donc c'est le principal. Et puis les 3 qui restent, c'est les 3 que je préfère. Donc ça tombe bien. Hein. Oh, sa voix m'avait manqué. Je sens que je vais adorer cette chanson. Oh, le cœur. Toutes des portes. Ce qui est logique avec le titre de la chanson. Hein. J'aime beaucoup les expressions qu'on voit là. Gros coup de cœur pour le titre. J'adore. Bah, c'est eux quoi. Ok, la sortie. Mais est-ce vraiment la bonne porte? Une porte derrière une porte. Et encore une porte derrière une porte. Comme un peu dans Alice au Pays des Merveilles, plus en plus petit. Ils se suivent, on dirait. Ils sont là, ils se retrouvent. C'est beau. Onki, tu veux me faire pleurer, toi?
Pourquoi j'étais comme ça à la fin de la vidéo? Rien que voir Honky prendre la main dans ses membres, mettre sa main sur la jambe de l'autre, c'est tout symbolique en fait. Je vais vous expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas FTM Island. Moi, c'est un groupe que je suis pratiquement depuis leur début avec les CNBLUE, ils font partie de la même agence. Et comme vous le savez, il y a eu un grand scandale avec le Burning Sun, Seungri et tout ça, mais il y avait d'autres membres aussi, dont un membre des CNBLUE, mais aussi un membre des FTM Island, un des guitaristes. En sachant tout ce qui sont passés, le groupe, maintenant ils sont plus que 3, ils étaient 5, oui c'est ça, ils étaient 5 de base. Et quand tu sais tout leur parcours, tout ce qu'ils ont traversé, j'ai l'impression que cette chanson a vraiment une signification particulière, même si c'est pour leur 19e single japonais. Certes, le titre se nomme Door, donc porte, tu voyais vraiment des portes partout. Et c'est comme s'ils essayaient de trouver leur chemin, leurs issues. Toutes ces portes peut-être étaient des souvenirs de leur carrière tout simplement. Peut-être une chanson pour remercier les fans, hein. Je n'ai pas eu accès aux sous-titres donc voilà, j'ai pas été plus me renseigner que ça non plus. Mais oui, au niveau de la chanson, en termes musicalement parlant, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Voilà, c'est parfait, c'est le style que j'aime, c'est le groupe en fait, c'est leur identité et j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Mais ça m'a mis un petit peu dans l'art parce que oui, comme je disais, tenir cette main, je trouve que c'est tellement symbolique ces gestes qu'il a en fait. En les regardant tous les deux et puis ce sourire, puis à la fin un court métrage comme s'il passait, tu vois vraiment ce moment théâtre peut-être pour un souvenir de ce qu'ils ont vécu, de leur parcours, de leur carrière et puis toutes ces portes aussi, tu vois vraiment qu'ils se suivent l'un après l'autre, qu'ils se recherchent, qu'ils essayent de se retrouver pour reformer ce trio et puis ils sont de nouveau ensemble. Je trouve vraiment que ce titre et surtout la signification des images qu'on a pu voir du MV est tellement symbolique. Peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie. Je sais pas vous mais oui ça m'a mis vraiment sur les rotules cette fin, je sais pas pourquoi. Mes larmes étaient là, hein. J'ai résisté pour pas que ça coule. Mais après je pleure, hein, c'est pas grave, mais waouh, waouh, ça m'a mis vraiment, mais ça m'a donné de ces frissons les gars. Je sais pas ce que vous avez pensé vous mes chers Mélimélo, pour ceux qui connaissent un petit peu le parcours du groupe, les scandales, etc. Enfin voilà. Alors au niveau du single, comme je le disais au début de la vidéo, il sera composé de 3 titres et sortira dans les bacs le 21 septembre officiellement de cette année. Au niveau donc de la jaquette du single, j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve vraiment les 3 membres qui sont sur ce sol bétonné et on voit toutes ces portes. On voit vraiment que au niveau des portes, tu as des anciennes portes et un peu plus neuves, un peu même comme s'ils étaient brûlés, comme si c'était pour montrer de vieux souvenirs. Franchement, la jaquette reste simple mais est tellement dans le thème du titre du single qui se nomme Door, mais également de ce qu'on a vu dans le MV. Non, gros coup de cœur, mais pour tout, que ce soit l'esthétique, la chanson, tout, j'ai adoré. Adoré, vraiment, il m'avait manqué, mais là, ils m'ont mis sur le cul carrément. Et vous, mes chers Mélimélo, qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cette signification? Est-ce que vous avez à peu près les mêmes déductions que moi? Si pas, n'hésitez pas à me dire vraiment concrètement, c'est vraiment quoi, réellement? Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.